Bonjour les amis, aujourd'hui je vais pas vous parler de montre. Bon, je porte souvent des Seiko tout ça, mais c'est pas ça la question aujourd'hui. Je vais vous parler d'une BD, un livre qui m'a énormément plu, que j'ai lu pendant les fêtes de fin d'année, In Wave de A.G. Dengo. C'est un dessinateur américain de talent et qui raconte dans ce BD, dans cette BD, moitié roman photo, moitié BD, vraiment avec des super graphismes, qui raconte un peu l'histoire du surf, mais également une histoire beaucoup plus profonde sur sa vie, que sur la fin de vie, sur le deuil, que je trouve vraiment, vraiment bouleversante. Voilà, il a rencontré portait déjà le prix de la BD de la Fnac et de France Inter en France. Et il est en lice avec 8 autres BD pour le prix du public pour la BD d'Angoulême, le grand, grand festival qui aura lieu le week-end prochain. Voilà. Donc, je lui souhaite vraiment de bonne chance. Je vous souhaite vraiment de l'acheter. C'est les éditions Casterman. Et c'est vraiment une BD qui m'a bluffé. Je ne lis pas beaucoup de BD, de livres en règle générale, mais celle-là m'a vraiment scotché et j'ai réussi à la lire d'une traite en quelques heures. Enfin, ça a été très rapide. Je vous la conseille vraiment fortement, Agi Dango, comme on peut voir, et j'espère peut-être pouvoir le rencontrer pendant le festival de la BD d'Angoulême. Je vous souhaite une bonne journée et puis pas de montre ce coup-ci, mais une BD vraiment de qualité que je vous conseille grandement, In Waves.